fait Christine à l'atelier de l'industrie, directement dans notre cohorte, dans notre filière, pour ceux qui préfèrent, on va voir le contrôle CND, c'est-à-dire le contrôle non-destructif. Avant, là, tout de suite, on est dans la zone de travail. Alors, avant d'entrer, toujours le plus important, avoir son EPI, son bloc de travail, ses chaussures de sécurité, les gants de protection et les lunettes de protection, car on manipule des produits chimiques qui peuvent être CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ne vous inquiétez pas, tout ça, on va le voir tout de suite. Allez. Là, on va faire la vaisselle. Ah oui, ici, c'est pas pour faire la vaisselle, c'est pour nettoyer les pièces. Avant de commencer à dégraisser la pièce, toujours vérifier la date de péremption et le numéro de lot. Toujours important dans ce qu'on utilise. Maintenant, c'est parti. Et non, c'est pas une scène de crime. Elle est tout simplement en train d'appliquer le pénétrant corrosif coloré sur sa pièce. Ici, on n'est pas en boîte de nuit. Ici, on vient interpréter des indications. Contrôleur non destructif. C'est un technicien responsable de la qualité et de la sécurité de toutes les pièces qu'il contrôle.